Bonsoir le monde, bonsoir la famille. Moi, c'est Jean-Chila Renet, le fondateur de la chefferie africaine en Fédération de Russie. Je voudrais déjà ici vous remercier encore une fois de plus pour votre soutien à notre jeune sœur Audrey et les jumeaux. Et pour le moment, je me trouve à l'agence de Turquie qui est là pour acheter le billet afin qu'elle puisse rentrer avec les jumeaux. Et beaucoup de personnes ont contribué et je pense que ce soir, elle doit voyager à 20h. Et avant de voyager, je vais vous faire un rapport, donc lister tous ceux-là qui ont contribué afin que chaque personne qui a donné de son argent pour savoir que son argent est arrivé à destination. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment utilisé. Je vous dis encore merci. Je remercie tous ceux-là qui sont mobilisés, tous ceux qui ont partagé l'information. Je remercie particulièrement l'ambassade de la Côte d'Ivoire qui a vraiment montré une détermination par rapport aux documents administratifs qui ont été délivrés. Je remercie le douanier Bruno qui a vraiment apporté son soutien pour pouvoir gérer le côté de l'immigration pour la déportation. Donc le soir, comme je vous l'ai dit, je dois lister tout ce qui s'est passé et tout cela qui est encore publié afin de vous publier l'information générale. Donc je me trouve présentement avec l'un des responsables de l'association des Ivoiriens à Fédération de Russie, qui s'appelle M. Asika, qui m'a accompagné afin qu'on puisse acheter les billets d'avion ensemble. Donc, voilà, ça c'est M. Asika, donc il a un mot à dire. Sadia. Monsieur Sadia, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. C'est vraiment un réel plaisir d'être là aujourd'hui avec tous ces différents démarches. Nous sommes à l'aboutissement de toutes ces différentes démarches. Je suis Sadia, médiateur et ivoirien. Aujourd'hui, c'est un moment de joie après tous ces différentes démarches. Nous remercions effectivement tous les donateurs, la FEDESI, l'IESI, l'ambassade de Côte d'Ivoire, certaines ONG qui ont contribué dans le processus de l'observation de tous ces donateurs. Je vous rassure, aujourd'hui, nos sœurs voudraient pouvoir rentrer au pays. Nous sommes ici, la salle de l'île d'Amérique. Ça se passe très bien. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je vous avais promis, il ne faut pas écouter les ONG. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'incompréhensions dans cette affaire de notre jeune sœur Audrey, mais je vous ai toujours dit que cette confiance que vous avez attribuée à ma personne, je ne peux jamais vous décevoir. Donc, ce soir, je vais vous lister tout ce qui s'est passé, tous ceux qui ont donné leur argent, afin que tout le monde soit au parfait de toute la transaction qui s'est passée. Donc, aujourd'hui, à 20h, notre sœur Audrey, si les choses se passent bien, elle doit voyager parce qu'il y a encore d'autres paramètres à remplir auprès de l'immigration de l'aéroport. Voilà. Donc, nous sommes déjà à 90% sûrs que notre sœur doit rentrer avec son jour. Je vous remercie. Je suis de l'autre. Le meilleur est à venir. Merci.